Canada continue à prendre sanction contre mon élite haïtienne, il dit qui a soutenu gang armé pour capable couvrir même dans quatre activités illégales, il y a pénètre et corruption, drogue et la trier. D'après notre ça qui sorti Ottawa et dans affaires mondiales, ministère affaires étrangères pays Canada, Canada a annoncé lui imposer l'autre sanction on dit plus contre l'autre membre dans élite haïtienne. D'après ça, li nan note ça qui pote communiqué de presse ça 13 janvier 2023 Ottawa Ontario affaires mondiales Canada. Ministère affaires étrangères et ça qui gen en tête li honorable Mélanie Jolie, d'après sa note, a dit annoncé jeudi, Canada a imposé d'autres sanctions en dit plus et qui allaient dans le sens règlement sous mesure économique spéciale qui visait Haïti comme réponse concernant ces deux actes corruption et sans garder derrière qui a alimenté crise qui a pas fini à Haïti. Et dernière sanction, ça a visé, n'a pas cité deux membres dans l'élite haïtienne. Nan. Je parlais donc businessman et associé chef régime tête caléa Charles Saint-Rémy, mais tout le monde connaît Kiko Saint-Rémy et bon frère, et puis ancien député et Arnel Bélizer. Et sanction ça gouvernement canadien fait qu'on est li prend compte yo li interdit pour mener quelque soit opération dans le pays Canada, et si on gagne un cob au Canada, Canada a gelé l'agence ça yo quelque soit ça au Canada. Et moun sa yo tout pa gen droit mete pied yo pile et territoire pays Canada et selon sa la loi sou immigration ak protection réfugié exigé. Donc yo pa gen, yo pa bienvenu au Canada. Canada gen raison pour le croire toujours note de presse k ap pale et yo servi ak statut yo en tant que moun ki fait partie de élite en Haïti pour protéger gang criminel armé yo. Les yo permettre yo mener activité illégale yo particulièrement dans trafic drogue ak l'autre activité corruption gang sa yo ensemble avec partisan yo yo continue à terroriser sans garder derrière population qui pi faible en Haïti et la guerre pays en plus crise et voye tomber dans crise humanitaire pays a plongé la donne et parce que maladie choléra réparait et yo fait tout zak violent ça que nous pas capable même gain mot pour décrire d'après ça communiquer a fait connait contre population et qui victime nan et côté yo empêcher même population ça jeune pipiti service essentiel et dit pas capable même recevoir aucune aide humanitaire dans situation hier sanction Canada prend yo ni imposé yo visé d'après ça toujours communiquer ministère affaires étrangères Canada affaires mondiales fait pour faire pression sous moun qui responsable zak violence sa yo la dan yo moun qui a fait violence sexuelle sans garder derrière a quand fait payer tout non dodine qui pas ka stabiliser moun sa yo yo doit suspendre bay groupe gang criminel sa yo l'agent bay yo zam j'ai a fait en Haïti Canada condamné le fait que zak violence sexuelle yo militarisé en Haïti et qui dévaste la vie un paquet de monde dans pays ya. Canada d'après citation pour finir non texte chef diplomatie canadienne non et madame Mélanie Jolie le dit Canada poursuivre bataille li contre corruption en Haïti là li imposer plus sanctions encore contre membre élite là qui a soutenu gang criminel yo et qui fait que ces monde ça qui a kembe pays ya non terreur et Canada a poursuivre collaboration à communauté internationale là pour soutenir peuple haïtien une façon pour capable râler un souffle pour sortir dans crise et rétablir la paix la kaeli et sécurité dans pays. Mélanie Jolie ministre affaires étrangères Canada et qui signe communiqué ça pour annoncer deux nouveaux sanctionnés. Nous parler avec youn là-dedans yo qui c'est ancien député. Alors date ça c'était commune était circonscription d'Elmataba mais nous connaissons qu'il y a deux circonscriptions séparées. Arnel Bélizer dans déclaration fait dans micro nous lui montrer le pas bail décision Canada en quelle importance ni minimiser dans interview sur la radio qu'est-ce qu'il y a jeudi ancien parlementaire fait connait n'a cité ni Canada ni États-Unis pas capable empêcher le parler à quelqu'un chef gang dans pays là il fait connait
monsieur gang ça qui a touyé, qui a braché, qui a kidnappé, qui a violé, pour lui-même c'est pas gang yo, c'est utilisé yo, mal utilisé yo. Et Arnel Bélisaire dixit, lui déclarer c'est parce que pays a pas gagné dirigeant qui fait ce pays étranger qui a sanctionné citoyen haïtien. Lui fait connaître l'a continuer ça les batailles conscience non et lui clair pendant l'a prêté disponible pour la justice pays. N'attendez ancien député Arnel Bélisaire dans micro Ketia Jean-Pierre Taylor. L'autre pays pas un dirigeant, autorité l'autre pays pas bon respect. Décision que yo dit que yo sorti hein, yo qu'elle est décidé, OK, avec l'autre monde. Mais moi-même Arnel Bélisaire, ma position était publique et connue de tous. Je dis hein, mon yo dit que Arnel Bélisaire a supporté les actions des gangs. Moi, je l'ai toujours dit, pour nous sortir pays dans ça que yo mettait là son lutte armée que pour lui. Arnel Bélisaire pas jamais connaît en dehors de l'État que l'autre gang. Alors pensez que Arnel Bélisaire parle pas du TAN, parle parler de Canada qui sanctionnait des citoyens haïtiens. Les amis, c'est en 1960 là, oui, que nous avons kembe même Mounsa pour nous démontrer au Libye. Alors pensez que moi-même Arnel Bélisaire, dans le niveau, on va le faire Mounsa en Haïti honte jusqu'à ce qu'on peut sans histoire. Sa mémoire, parce que c'est des monde qui toujours dépendent de monde qui pour gourmet pour mettre au sous monde. Oh non, Arnel Bélisaire va bien faire ça. Comme je dis, nous pas des autorités dans le pays, nous. Nous manquons des hommes et des femmes de caractère dans les postes à pouvoir. C'est ça que fait Madame Jolie. Parce qu'elle t'a permis de parler de n'importe qui haïtien, mais moi-même, votre serviteur, Arnel Bélisaire. J'ai dit non. Nous ne pas perdre du temps, non, pour ne pas parler de un pays sans histoire, sans palmarès. OK? C'est rété, yo mettez là, et puis nous-mêmes, pour nous pays tant qu'au Haïti, côté que nous connaissons, que nous faisons l'histoire à travers le monde. Parce que je dis à nous, de rester avec des vauriens qui viennent faire que. Yo pa pran pays nou pou rien. Nous connaissons toujours montrer ou défendre pa connait qui relation gen avec groupe armé yo tant que G9 comme d'habitude ou toujours dit ou en contact avec yo. Est-ce que vous pensez autorité canadienne yo capable choisir citer non même rive sanctionner pour rapport à gen avec gang nan financer gang sans yo pa ta gen document ou bien preuve de ça qui rapport gen avec gang? Si c'est pour opprimer malhonnête, yo fait vinn tonner diable pour peuple haïtien, si c'est pour parler que le pays a dit l'a sanctionné Arnel Bélisaire parce que Arnel Bélisaire parle à un groupe de citoyens, je dis à que autorité pays yo mettez hors la loi, pays a sanctionné parce que tout homme vivant, c'est dans état ça pays a ira. Pas gagné qu'a femme pas parler t'il appli, pas gagné qu'a femme pas parler à barbecue. Les États-Unis, qui gourmet pour les États-Unis, ils mettent pression sur le contre Arnel Bélisaire parce qu'ils parlent à Tilapli, parce qu'ils parlent à ISO, parce qu'ils parlent à Chris, parce qu'ils parlent à Barbecue. Ça fait, yo. Les Jodiens, ils ont mal orienté, ils ont non libre pour venir serviteur. Le ou même ou dit, non, quand ils ont parlé à pas bon, autorité, ils ont fait, ils ont fait un sou tant qu'un ennemi. Moun qui mal orienté, d'après Canada, ou fait partie de moun sa yo qui a aidé, campé dans la ligne, kidnappé, violé tout le monde chaque jour. Au contraire, c'était bataille moyen ça. Aime toujours contre lui. Aime toujours campé contre lui. Comme si, Radio Kiskeya, nous pensons Jodiens, Canada, qu'a fait pas parler. Avec quel que soit haïtien, la quelle que soit position que vous retrouvez là, c'est pas moi que l'autorité qui a décidé. C'était moi que l'autorité qui a décidé. Je dis, hein, pas tap de la pli, pas tap de iska, pas tap de barbecue, pas tap de l'autre encore. Arnel Bélisaire a toujours été digne pour le discuter à tout citoyen haïtien et pour le courage pour ça, vous faites pas bon pour le dire, vous pas bon. Même pas j'aime ni dans la combine, ni dans la combinaison avec vous. Parce que vous choix. Pour bouche moi pour me parler toute vérité avec elle et puis pour me paraître devant la justice n'importe pleu c'est que papi j'aime rien pas ça mais pas aucun bagaille dans monde là qui pas gain l'histoire qui pas gain passé qui ca mettre Arnel Bélisaire en position pour me parler en haïtien frère. Voilà ancien député Arnel Bélisaire qui fait partie de dernière liste gouvernement et canadien publié c'est premier ancien député qui figurait
Et sous l'ISA, selon le gouvernement canadien, il parlait de 15 membres élites haïtiennes déjà pris sanction contre eux. Toujours dans le même domaine de sanction, gagnant dirigeant et responsable organisation ça qui est basée dans Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, NEO, José Renault, qui a parlé nous sous réponse Premier ministre Justin Trudeau à travers cabinet, voyez Bali concernant une lettre qui était écrite, lui-même, il était à parler de Premier ministre de facto. Donc, président New England Human Rights Organization, non, NEO, José Renault, fait qu'on est cabinet Premier ministre canadien Justin Trudeau, répondit dans la date 21 décembre 2022, lettre organisation non, te voyez Bali, et pour te attirer attention, sous situation, Premier ministre gouvernement de facto, Dr. Ariel Henry, lui rappelait qu'il est non cité dans un crime terrible, assassinat qui fait sous Jovenel Moïse, pendant la prend sanction contre politiciens et membres élite économique pays d'Haïti, Néo te jugé bon pour te faire remarquer, Ariel Henry méritait sanction tout. Et dans une interview, ça, li baye Radio Kiskeya, je dis, li déclaré, li apprécié réponse autorité canadienne, yo. Voyez Bali côté au faire connait yo prend très au sérieux toute information qui sorti dans lettre li voyez bay premier ministre et autorité canadienne promet li yo pral examiner lettre ça yo l'autre pas li annoncer cabinet premier ministre Trudeau déjà voyez lettre là bay ministre affaires étrangères là et affaires mondiales et madame Mélanie Joly dans yon démarche li considéré qui c'est un gros pas. Et n'attendez à la tête Néoa, José Renault dans le micro, Hervé Noël. Premier ministre actuel pays d'Haïti, Ariel Henry, lui gagne de accusations graves sous dol de participation dans l'assassinat du président. Nous dit, monsieur gagne de crimes financiers et de crimes de sang qu'il fait. Et lui dans l'association gang. Nous ne comprenons pas comment pour y sanctionner de personnalité et puis pour Ariel Henry, venir interface à l'international. Et c'est dans le cadre de ça que cabinet premier ministre là répond nous et lui voyait correspondant ça by ministre affaires étrangères canadien et certainement au capable de l'autre là côté que lui dit il prend bonne note de en fait l'aide que nous voulons by premier ministre là et lui assurer nous que non seulement il prend information pour ça et il peut examiner. Alors nous pensons que c'est dans le cadre ça que Néo à bataille pour dénoncer bandit en Haïti qui fait que sang a coulé. Je ne crois pas que c'est moi qui prends la parole. Que pendant 10 dernières années qui sont passées là, son 25 qui ouvrit dans le pays d'Haïti, en pile innocent mourir. Et certainement, nous souhaitons que bagay ça li campé. Et pour le campé, Ariel Henry pas qu'à continuer à payer non seulement la ville du pays, mais en fait représenter Haïti pour raison que nous sollicitons là. Oui, donc attendons-nous par rapport avec la réponse que je fais nous. Et nous vraiment apprécier la réponse là, de la mesure où il y a deux aspects qui interpellent nous. Premièrement, ils ont dit que yo prend au sérieux propos qui n'en l'est là. Et deuxièmement, ils ont dit qu'ils prend très au sérieux et l'être là, ils prend les en fait examiner et information nouveau et eux, ils prend très au sérieux. Et ça qui est important, c'est que ils acheminé correspondant ça by ministre affaires étrangères canadien. Que nous pensons que déjà son gros plus lié dans la mesure où faut que monde qui capable exposer Ariel Henry pour s'allier. Il y a un monde qui a de suspicion légitime de participation à l'assassinat et ancien président Jovenel Moïse. Il y a un monde qui fait crime financier, qui fait crime de sang. Il y a un monde qui a association avec gang. Il n'y a pas qu'à continuer interface pour le pays d'Haïti. Voilà, c'est à la tête Néoa qui t'a parlé comme ça. Et depuis pays États-Unis, José Néo, concernant réponse cabinet Premier ministre Trudeau, à partir d'une lettre qui était voyée, et Bayo. Nous avons répondu à une question Hervé Noël. Gouvernement canadien, voyez l'autre information, il fait qu'on est dans la date 11 janvier 2023, Canada transporté à bord avion une livraison commerciale, machine spécialisée en Haïti, d'après ça, le fait qu'on est. Dans le mois de décembre 2022, Canada a mené une mission diplomatique en Haïti qui mission ça était là pour favoriser et yon tête ensemble qui pillage
dans mitan principal intervenant yo en faveur yon route yon processus politique pour gain élection démocratique qui fait dans pays. Toujours précision gouvernement canadien depuis mois novembre 2022 selon règlement sous mesure économique spéciale qui visait Haïti, Canada imposait des sanctions contre 15 membres élite haïtienne d'après ça le dit comme réponse après comportement inacceptable membre élite politique haïtienne ça qui appuyait avec l'argent financé et menait opération illégale avec gang armé dans le pays. 10 novembre 2022, Canada dit li voter loi li intégrer dans droit Canada en fait selon loi sous Nations Unies résolution 2653 Conseil de sécurité Nations Unies sous Haïti qui prévoit sanctions membres Nations Unies qui prend contre Haïti comme réponse à comportement inacceptable gang criminel armé en Haïti. Sanctions ça yo yo imposé interdiction et sous toute opération contre yon et moun ki en affaire ak yon chef gang pa gen droit pou met pied nan pays Canada ni moun kap soutenin. Nan mois octobre 2022, yon délégation gouvernement canadien te vin fè chita pale en Haïti ak partenaire régional Lio ki te participe tout la des Nations Unies, communauté Caraïbes blanc ak l'autre partenaire. 15 octobre 2022, nan partenariat ak force l'armée américaine Canada te mené vini en Haïti à travers un vol avion des machines spécialisées. Là, on va parler de véhicules blindés. 21 septembre 2022, Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé une contribution Canada 20 millions de dollars pour y reconstruire en Haïti après tremblement de terre 2021. Là, on va parler de Grand Sud. Voilà, c'est précision ça. Qui ajoutait à communiqué de presse chef diplomatie et canadienne Mélanie Jolie qui annonçait deux lots sanctionnés au statut d'ancien et député Arnel Bélizère. Non.